pour Stéphane Pelletier, Tatako et Tonton Bernard. Je serai presque imbécile, presque mort, presque à l'asile. Enfin je serai gâteux, impotent ou radoteux, lorsque l'on viendra me dire que j'avais des choses à dire, c'est merveilleux. Je n'ai pas assez de rides, pas d'accent et ça me fait vide. On ne prend guère au sérieux que ceux qui sentent le vieux. Je ne fais pas de risette, je ne fais pas de courbette, je fais merde. Je ne fais pas de scandale, j'ai des allures normales. Je n'ai pas de grande famille et je n'aime qu'une fille. Je ne distribue pas d'enveloppe, je ne vais pas à Saint-Tropez, c'est pas sérieux. Je n'ai pas de club de fans, tous ceux qui m'aiment n'ont pas l'âme. De quelques gens qui se complaisent à expédier quelques fadaises aux radios ou à la télé, que j'en sois ou non le sujet, et c'est miteux. Dans ce monde où l'on rigole, dans ce monde farandole, dans ce futur optimiste, c'est vrai que je fais fort triste. Je fais toujours le même air, mes sujets sont trop sévères, c'est pas douteux. Je fais parole et musique, c'est mal vu par les critiques. Ça fait celui qui se croit, qui veut tout garder pour soi. Les millions de la SACEM, ça va toujours chez le même, c'est prétentieux. De plus, l'Académie de la chanson française m'honora, afin que je me rende au mur des théâtres de la culture. Je ne dois pas faire le poids des autres, le font mieux que moi, j'en suis envieux. Je ne fais pas de politique, à tort vu que les statistiques prouvent que l'on voit plus souvent des artistes dits bien penchants que ceux qui n'ont pas d'opinion. Le soir à la télévision, c'est pas douteux. Et puis je ne suis pas sociable, j'ai un caractère minable. On m'a entendu râler pour un piano désaccordé, pour une sono qui larcène, et pour un maître de scène de mieux en mieux. Moi qui détiens le premier prix des galas que l'on dit gratuits, que l'on prévient tout juste à temps pour faire des remplacements. Quand je réponds que je regrette, ils disent que j'ai la grosse tête, c'est merveilleux. Faudrait que j'aille en Amérique, y dépenser quelques briques, pour faire le carnet guignol, pour m'y faire une auréole. Après ce sera l'ovation, on me prendra pour l'Eurovision, c'est-il pas mieux? Après toutes ces recettes, ces constatations faites, ces concessions en puissance, je devrais faire pénitence. Je devrais, si je veux plaire, commencer d'abord par me taire, mais je ne peux. C'est une chanson miteuse, c'est une chanson honteuse. D'ailleurs ce n'est pas une chanson, ça n'a pas d'air et pas de pont. Je pourrais même en désespoir de cause recommencer l'histoire. Recommençons. Un petit aparté quand même, nous sommes une bonne douzaine qui portons la tare du métier, celle de n'être que français. Que ne venons-nous pas du Caire, de la Russie, de l'Angleterre, ça marcherait mieux. Je serais presque imbécile, presque mort, presque à l'asile. Enfin je serais gâteux, impotent ou radoteux, lorsque l'on veut me dire que j'avais des choses à dire, c'est merveilleux.